Salut tout le monde, c'est Rockman03, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo inédite sur ma chaîne, car on est sur le jeu Supreme Commander One. One. On parle de 2 parce que le One est mieux que le 2. Donc, je suis en compagnie de Clément. Ouais, salut tout le monde. Donc Clément, bien sûr, débute sur ce jeu, je vais lui expliquer certaines choses dans... Tu peux lancer par contre. Mais il a les bases, on va dire. Ouais, t'inquiète. Alors, donc, j'ai joué tout seul aussi. Commander, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Ça se passe dans le futur. Donc, on commentera un peu. Voilà. Donc, vous voyez. Bon, je vais pas trop vous expliquer comment se déroule le début. Hein. Donc, pour l'instant, on développe notre base avec ce robot là. Ok. Ouais. Si mettre pas meubler, ça va pas le faire. Parce que sur ouais, ce là, il y a pas mal de choses à dire. Je suis concentré. Ouais, t'inquiète. Et là, on crée des. Comment ça s'appelle? Des extraiteurs de masse qui ramènent de la masse. Logique. Sur les petits points jaunes en surbrillance là, sur toute la map. Ouais, je vais dézoomer. Bon, quand on commente le jeu, on y va un peu lentement parce que si on commence direct à. Donc, ça se permet d'avoir des ressources en fait pour créer des. Après, créer des unités quoi. Ouais, voilà, en fait, pour créer des unités, les dernières fois on avait fait des vidéos sur Age of Empire. Dans Age of Empire, il y a trois différentes ressources. Il y a la nourriture, l'or et le bois. Et là, en fait, sur Supreme Commander, il n'y a que deux sortes de ressources. L'énergie que vous voyez en haut à droite, là, qui baisse, parce que j'ai mes stocks d'énergie ici. Comme Commander construit. Et à gauche, en haut à gauche, la masse. Mm. Voilà, tout simple. Donc la masse, c'est la ressource la plus rare, elle est un peu plus dure à produire. Ouais. Parce c'est ce qui permet. Je sais plus c'est quoi qui construit, c'est la masse qui construit les véhicules et tout. En fait, la masse c'est ce qu'ils utilisent pour faire le construire. Bâtiment. Et l'énergie c'est pour. C'est ce que le commandeur va consommer quoi. Ouais. En ou fait, les bâtiments. L'énergie pour faire marcher les bâtiments quoi. Voilà, donc vous voyez que la map est assez grande donc. Mm. Je prends mon doigt et je monte sur mon écran sauf que je vois n'importe quoi, troll. Donc là je prends ma souris, ça va être mieux. Là, c'est ma base là en rouge. Clément est en bleu. Et là en haut ici, c'est il y a les ennemis là. J'enverrai des éclaireurs pour vous montrer un peu leur base. Et là, normalement. Et là il y a une base neutre au milieu de civils. Ici, en fait c'est quand même un point stratégique parce qu'on a joué hier sur cette map et franchement dès qu'on a ce point là, bonne chance de gagner je pense. Ouais, il faut prendre ce point ici là. Bon, il y a de la résistance des civils parce que dans le jeu il y a les militaires comme nous là et il y a les civils aussi qui peuvent se défendre. Mm. Vous verrez quand on fera des unités. Là pour l'instant c'est phase développement. C'est long quoi. Ouais, ce sera des épisodes de. Moi je ferai des épisodes de 30 minutes et plus. Entre 30 et 40 minutes. Ouais, on verra comment ça se passe. Hein. On verra comment ça se passe. Ok. Moi je vais peut-être créer une nouvelle chaîne. Ouais, sûrement parce que comme... là il y a un bug avec YouTube. Vas-y, explique ton bug. Bah parce que j'ai fait une vidéo et puis c'était illégal. Ouais voilà. Donc voilà, je me suis fait un tutoriel pour avoir un nouveau logiciel de à la place de Fraps. Mais bon, donc la personne qui a le logiciel il l'a trouvé donc je me suis fait bloquer mon compte pour l'instant. Mais bon, je sais pas quand il va être déverrouillé donc je vais créer un nouveau compte je pense. D'accord. Je ferai une vidéo annonce sur ta chaîne. Ouais. Donc là vous voyez avec mon usine je crée des ingénieurs, là vous voyez que sur le côté à droite là on peut voir toutes les unités que l'usine peut produire. Donc pareil, là, des éclaireurs, des chars légers, des robots d'assaut légers, de l'artillerie et tout. Les chars etc. Donc là le petit ingénieur je vais l'utiliser pour aller chercher les extracteurs de masse. Donc en fait les extracteurs de masse on peut les mettre que sur les petits points jaunes là ici en surbrillance. Qui sont en train de briller là. Ouais. C'est pour ça que c'est plus rare parce que les générateurs d'énergie on peut les placer où on veut. Ah, j'ai du mal à parler parce que j'ai un énorme aft sur ma lèvre. J'ai un freeze moi putain. Le FPS descend. Ah c'est bon, il est remonté. Et du mal était bloqué. Ça va, Supreme Commander c'est pas un jeu qui consomme énormément. Bon après moi je le fais tourner qualité ultra mais Ouais je l'ai mis en moyenne moi pour filmer. Ouais bon attends, il est vachement beau comme jeu. Graphiquement c'est super beau. Oh puis on peut faire une rotation là. Ah ouais, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça c'est super stylé comme vue. On peut voir les combats et tout d'un autre point de vue. Ouais, on verra après. Donc vous voyez là, pour vous rendre compte de la taille de ce robot là, dites-vous que deux personnes peuvent tenir dans la tête. Là. En fait c'est pas assez... Comment dire... Il y a...
Je sais pas comment vous expliquer. Bah, vous voyez les arbres là? Ça, c'est un arbre. Comparé au bâtiment d'à côté, vous voyez, c'est assez énorme. Quel arbre tu parles? Bah, il y a des arbres un peu partout sur la map. Je regarde sur toi là. Ouais, les arbres, ouais. Ah oui, d'accord. Là, donc, petits les arbres. Donc, ça, c'est une petite ouais, map. Il hein. y a des maps fait, beaucoup plus grandes. Puis, t'as l'impression que les petits, les chats ils sont petits, mais bon, par rapport au monde, c'est quand, ouais. Parce que c'est un peu réduit, je pense. Allez dans les commentaires, dites-moi si cette vidéo plaît, si cette vidéo vous plaît, si vous voulez que j'en refasse, parce que ça, je trouvais ça assez sympa. Il n'y a pas beaucoup de Français qui font des vidéos sur Supreme Commander, il y a beaucoup d'Américains et d'Anglais. Donc si ça vous plaît, vous me le dites, je continuerai à en faire. Et je pensais aussi faire la campagne solo tout seul, quoi. Et je referai des vidéos en multi avec lui. Oui, la campagne solo, oui, donc tout seul, quoi. Non, ouais, la campagne solo en multi, oui, normal. Comment on fait pour supprimer? J'ai mal mis mon générateur, je peux pas le supprimer? Si, tu peux le supprimer, tu fais exploiter. Bah, une fois qu'il est construit aussi. Ouais, une fois qu'il est construit, tu prends ton commandeur et tu fais exploiter en haut. T'as exploité. Je fais de la merde parce que je l'ai posé trop vite. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux l'enlever. Hein. Oh, bon, c'est pas grave, je... J'ai envie de mettre un commandeur. Comment tu fais? Par contre, je voulais te demander comment on fait pour... Ah, y a un truc surcharge. Surcharge, je sais pas à quoi ça sert. Mais comment tu crées un bouclier autour de la base? Un bouclier, c'est plus tard, c'est en technologie 2. Donc maintenant, je vais, comme on en parle, je vais vous parler des différentes technologies. Donc là, je suis en ce qu'on appelle la technologie 1. On commence comme ça. Et donc là, je clique sur mon usine et vous voyez là l'amélioration usine terrestre tech 2. C'est-à-dire que je peux l'améliorer comme ça et créer des ingénieurs et des chars de tech 2, des unités tech 2 beaucoup plus puissantes. Après, il y a la tech 3, encore beaucoup avec des robots super gros et tout, super cheatés. Et après la tech 3, c'est pas vraiment une technologie, mais on peut créer des armes expérimentales. Mais ça, on verra ça dans des prochaines vidéos parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire une arme expérimentale dans ce... Et moi, j'en vois un éclaireur là. Vas-y, vous voyez là Clément a fait un éclaireur. Ah, il y a un ennemi qui vient chez moi déjà. Ça tire déjà. C'est un éclaireur. Il s'est pas visé. Ouais, j'avoue. C'est parce qu'il est rapide. Trop mal. Ah, c'est bon, tu l'as eu. Yes, en un coup quoi, punaise. Ouais, j'ai du mal. Donc là, je sais pas dit, mais je fais des stockages à masse. C'est pour stocker la masse en fait. Ouais, moi c'est déjà fait aussi. Vous voyez qu'en haut là, le chiffre 4066 en haut à gauche. Déjà plus je fais d'extracteurs plus je fais de stockage à masse, ça va augmenter. Et donc du coup, quand ma masse là ici sera en négatif, ça baissera beaucoup moins vite. Et c'est... Ah, je crois que mon avion était dead de se te couper, mais j'ai envoyé mon éclaireur, il s'est fait tuer en deux. C'est normal, t'as vu une tour ralentie aérienne dans leur base. Okay, j'ai pas vu. Je vais envoyer un éclaireur moi dans leur base aussi. On peut faire aussi du stockage de générateurs d'électricité quoi. Ouais, d'énergie. Stockage à énergie, voilà. Ouais, c'est toujours pareil quoi, c'est toujours la même chose après, hein. Stockage si de masse. Mal, dites-le et si vous avez des questions, dites-le aussi. Il y a des stockages de masse là. Bon, on stocke encore plus de masse là ici. Mais non, c'est la gauche. En haut. Tergis à droite. Bon, on va créer un peu de. Oh, il a créé une tourelle le salaud, regarde à côté de la base civile. Je pense qu'il faudra vite la prendre la base civile. Lol. Bon, on la prendra plus tard. Oh, on va créer des chars légers pour aller. Je sais pas quand on a commencé par contre. Attends, je regarde. Peut-être 5 minutes peut-être. Tu cliques en haut, t'as marqué score en haut. Et tu peux voir clique le temps. En haut. Ça fait même pas 10 minutes. Et où? Tout en haut, t'as une petite médaille. Ah, 8 minutes ça fait. Ouais, à peu près, ouais. Ah, c'est bien ça, on peut savoir. C'est cool. Ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez stylé quand j'ai commencé. Donc, ce jeu là, moi j'ai joué la sortie. Depuis qu'il est sorti, j'y joue quoi. Je trouve ça vraiment énorme. Moi je suis un adepte des jeux de stratégie, comme j'ai déjà dit sûrement. J'y joue de. Mais mon tout premier jeu, c'est un jeu de stratégie. C'est pour ça que j'adore ça. Bon, après, ça m'empêche pas de jouer à BF et tout. Ouais, c'est clair. Ah non, on va faire une vidéo aussi de BF, je pense. Ouais, ouais, on verra. Parce que là, en ce moment, on a pas trop le temps de tourner. C'est bientôt les vacances. Alors ouais. Je fais bien des... Ouais, c'est bon, c'est des chars légers que je suis en train de faire là. Vous voyez les chars légers. Stockage de masse. Produite par l'usine. Donc là, ça va, c'est une petite base. Hein. Après, les bases, elles seront. Mais vraiment, elles prendront toute la place ici. Toute la place ici, elles prendront les bases. C'est impressionnant. Bon, j'ai des petits chars qui se construisent, tranquille, ça je fais des chars de... Je crée des chars légers là pour aller péter les défenses. Tu sais, ton commandeur il peut aider à construire les chars plus rapidement. Ouais, je sais, t'inquiète. Défense. Et ça défense. Ouais, il va me l'apprendre, c'est moi qui veux lui apprendre, c'est. Je connais déjà le jeu, j'y joue depuis tellement longtemps. Je joue aussi à Supreme Commander 2, je ferai peut-être des vidéos dessus plus tard, mais je préfère le Supreme Commander 1. Il est mieux.
Et tu le dis, je sais pas. Il est décevant, le Supreme Commander 2. J'ai créé des bombardiers, je pense. Il est trop simple en fait. Je suis super bien des bombardiers. Tu vois, en fait, Supreme Commander 2, ça se rapproche plus du système de ressources de Age of Empire. Ouais. Ah, le 2 Ouais, le Supcom 2. Oh. Intéressant ça. Alors, faire des tourelles de défense. De radar, avec des tourelles de défense, parce qu'il faut mieux se défendre. La défense aussi. Parti. Ça c'est des murs pour éviter les unités de passer, vous voyez. Ça les gêne. Ouais, donc là ils vont se construire ça. J'aimerais qu'ils se soient bouchés là. Quoi? Mes oreilles se sont bouchées. J'ai pas créé de bombardier moi. Lol, j'ai demandé de le faire. Ah non, j'ai accadé. Comme ça on pourra supporter les chars quand on ira assaut le village. Parce que la masse elle descend trop vite, c'est pour ça que je vais pas le faire tout de suite. Ouais, pareil. L'énergie ça va quoi. L'énergie ça va, t'en as presque tout le temps. T'en mets 8, t'en as assez quoi, c'est bon. Ouais, j'en prie plein là des générateurs d'énergie là autour de mes bases. Je regarde ce que je fais. Ah ouais, par rapport à moi, y'a rien quoi. De quoi? Par rapport à moi, y'a rien, j'ai. Comme ça, y'a rien. Ah, regarde mon truc. Ça va, hein. J'ai l'habitude de faire des bases style. Moi je l'ai fait carré comme c'est plus carré mon style. Toi ça fait des styles ronds toi, la lienne c'est plus style. Et vous verrez style, dans la campagne solo quand je la commencerai, les bases mais elles sont épiques les bases qu'ils ont fait dans la campagne. Qu'il faut détruire. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est impressionnant. Fasse. Tu vois, il y avait une base, elle était aussi grosse que nos deux bases. Comment dire, si je mettais cette base là ici là, elle relierait nos deux bases quoi. Yeah. Ça prend un quart de ce, même pas un quart, un quart de cette map là quoi. La base. C'était un truc de fou quoi. Oh. Là, je crée des ça me fait penser, tu vois, faisant ça, ça me fait penser à pas à SimCity mais il y a un autre truc là. Anneau là, je sais plus quoi là. Moi je connais Anneau, pas. Mais... Je trouve ça par rapport au. Parce que tu dois toujours mettre des. Tu vois t'as des trucs, comment dire. T'as les extracteurs de masse et autour t'as les stockages de masse, ça fait à peu près pareil quoi. De toute façon les jeux de stratégie c'est presque toujours pareil quoi. Ouais, après c'est l'ambiance. Tu vois là, parce que c'est des villageois dans c'est des villageois qui récoltent, là c'est des. Bah, c'est une machine avec des trucs autour quoi. Ouais, c'est pareil ouais. Quoi. Ça revient au même quoi, c'est super, c'est pareil quoi. Sans ah, les jeux de stratégie, ils ont fait détruire mes ingénieurs, ah le con. Pas une défense hein. Moi j'ai pas de défense, bah j'ai pas de. Ouais, je crois que. Ouais, ils ont commencé à exploiter le milieu de la base. Oh, tant pis. Hein. On ira les péter plus tard. On ira attaquer ça, ouais. De défense, j'avais dit quoi. J'ai rien, donc je. J'ai envoyé un éclaireur là. Vers le... Ah, ouais, quand même. Ils ont mis des défenses, les salauds. De quoi? Bah, là, dans la base du milieu. Bah, faut les bombarder directement, ces trucs. Ils ont un truc anti-aérien donc ce que je vais faire c'est que je vais attaquer leur truc anti-aérien avec mes tanks légers et après j'enverrai mes bombardiers. Tu veux que je vienne avec toi? Non c'est bon ça va le faire. Oh tu peux venir aussi si tu veux. Ah voilà. Arrive. Par contre je sais pas sur qui attaquer. Ils sont en train de péter mes tanks là, ils sont puissants. Il y en a aussi de mon côté ou pas? Non y'a pas de mon côté. Non. J'essaie de les attaquer de côté en revers. C'est bon, j'envoie sur les tourelles des bombardiers. Et nickel, bah moi j'envoie des. De côté. Hein. J'envoie les bombardiers ouais, sur la tourelle ici. Les centres de match sera tiré. Hein. C'est bon, elle est morte. Tu peux passer. Ah, c'est bon, on rentre, on attaque direct, moi j'attaque. Vas-y, rentre, je vais pas te faire. Oh. Ah, les bombardiers se font péter par le. Bah, attaquer quoi? C'est une IA un peu plus difficile que la dernière fois aussi. Ouais nickel, bombardier continue d'attaquer eux là. Ils se font péter par les défenses anti-aériennes des bases. Et moi char aussi. Bon, arrière. Ah ils ont pas eu le temps les bombardiers, faut que je crée maintenant des chars. J'en crée 15 et 5 trucs, 6 trucs légers.
Ou tu viennes avec des ingénieurs si tu veux. J'arrive avec des ingénieurs. Bah, je vais en amener deux. Tu veux créer un peu toi. Ou t'as plus l'habitude. Merde. Ouais, attaque leur. Ouais, nickel, t'es en train de tout casser. Voyons, on va les chars de Cléon là, qui sont en train de tout casser. Nickel. Centre agriculture, on s'en fout de ça. Ouais, tu peux. Tu le casses les, ça nous prend de la place. Attends. Ah, y'a un ingénieur là. C'est bon, je l'ai niqué. Je sais pas sur quoi il tire. Ah, il tire sur la tourelle. Ouais, parce qu'il est en train de rien. J'ai deux ingénieurs et j'ai une petite armée qui se prépare. Attends, moi je m'occupe pas trop de mon équipe pendant que je vois qui attaque. J'ai vraiment des patrouillers comme ça je pourrais m'occuper un peu. Patrouiller. Ouais, fais gaffe, parce qu'il y a une tourelle là-bas. Et où? Tout en haut là-bas, en haut, en violet. Va ah. L'attaquer, va l'attaquer, sinon elle va péter tout tes chars. Ah mais je peux pas, gars. Tant pis, c'est pas grave. Moi je m'occupe plus de ma base pour l'instant. Ils ont déjà bon. Amélioré leur extracteur de Mastec 2, les enfoirés. Ah bah moi je vais le faire aussi. Ah, de l'artillerie qu'il faut pour ça. Je sais pas quoi faire là, je suis bloqué moi par contre. Moi ce que je fais quand j'ai rien à construire, j'aide les usines à construire. Mmh. Ah mais moi je suis en... Moi je suis un peu en... Bon c'est pareil, continue à tirer. Il y a construit un tour derrière. Hein un extracteur de... Ah, ah c'est ouais, toi j'ai pas vu, il construit un extracteur de match. T'inquiète, je crée une tourelle là. Pouvoir te donner un coup. Ouais parce que ça craint. Non, ouais. Par contre moi je sais pas quoi faire ça. Parce que moi j'ai plus 2 mais bon si je crée des trucs ça va être plus 2 quoi. Ouais. J'ai envie de créer, améliorer mon truc. Tu peux améliorer tes vies. Moins 1, tu vois là je suis à moins 1 maintenant. À moins 7 ça monte, plus 7 ça monte. Bon j'ai encore mes deux petits chars là. Par contre les toiles j'y vais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Ça peut péter par la tourelle là, il y a une tourelle en haut. Ouais je sais mais j'arrivais pas à... Ça arrive en haut, fais gaffe. J'arrive, je sais pas, je voulais attaquer un truc, il est parti à droite. À gauche que je voulais partir à gauche. Non. Je voulais aller à gauche, ils sont partis à droite, je sais pas pourquoi. Ça va, j'ai ramené du monde là. C'est les extracteurs de masse, moi, qui me manque. Hein. Je vais aller péter leur tourelle là, qui sert à rien. On va me casser les bonbons. C'est bon, je l'ai pété. Wouhou, victoire. Ouais. Voilà, donc. J'adore la musique, elle est pique. Ça fait déjà 20 minutes, waouh! 20 minutes, t'es sérieux? Ouais, ça monte vite d'un coup. 7 minutes, tu vois. Ah, bah, une vingtaine quoi. Ouais, on fait une pause à 20 minutes ou quoi? Ou on continue? Ouais, on fera une pause à 30. Ok. J'espère que j'ai encore de la place sur le disque dur. Ouais. Ah, j'ai un bombardier, deux. Deux bombardiers. Bon, le feu ça atteint pas les unités, je croyais au début. Est-ce que tu as un dead dans le bombardier là? Tu peux te ramener les violets, avec les y a une grosse si masse. Tu veux dans la base du milieu là. Il y a une grosse masse qui arrive sur toi là. Je vois, t'inquiète pas, je vais les dégueuler. C'est nous, c'est que les petits ingénieurs. C'est la guerre. Et mes alliés et mes trucs ils arrivent. Ouais, donc là je vais faire un poste de défense
pour défendre ma base. Oh, les anti-aériens qu'ils ont. Ouais, fais gaffe. Oh là là. Pour l'instant, on voit pas trop attaqueurs en aérien. Ah bah, je suis mort. Je fais plus d'aérien, c'est bon, j'ai compris. Ça craint là, les gars. Anti-aérien, il m'a fait mal. Je vais mettre le radar. Il m'a piqué. Je vais chercher les folding avec des tanks. C'est pour ça que j'ai envie de graines mon truc. Et graines mon usine. Les musiques de Super Commander sont épiques. Bon, moi j'ai baissé le son, je sais pas, j'ai pas réglé le son avant, tant pis. Oh le salaud, il fait une. J'avais pas vu. Ah, il m'a pété. Non mais je vais en recréer une, c'est pas grave. Tu en fais quoi? Bah, j'avais pas vu, mais ils ont fait une. Ils font des défenses là, le salaud. Elle est trop loin, elle est trop. Comment dire? T'as abusé. Est-ce qu'il y a des trucs des ingénieurs vides? Non, j'arrive. T'as de la défense que ça craint. Ils sont encore là en plus. Ouais, ils m'énervent, ils font des défenses. Là. Je les avais pas vus, putain, faut que je. Ah, dès que je vais vous expliquer un truc, c'est que comme moi j'ai branché deux écrans sur ma tour, j'ai deux points de vue sur le jeu en fait. Donc là vous voyez que là par exemple, là je zoome sur ma base et en même temps je peux voir ce qu'il y avait en haut en fait. En même temps, je peux voir là et là en même temps sur les deux écrans. Ça, avec tous les écrans, toi. Ça, c'est super utile. Ouais, voilà. Faire de l'artillerie. Avec de l'artillerie, ils vont rien faire. Ils vont rien pouvoir faire. Voilà l'artillerie. Vous voyez la portée qu'elle a. Assez motivé pour tourner du Super Commander. Vous dites-moi vraiment si ça vous plaît, ça me fait vachement plaisir que ça me plaise à du. Non, ça me plaît pas. Non. C'est parti pour 10 chars lourds. Oh, bien la tourelle, parce que là j'avais besoin d'une tourelle ici. C'est en train. Ouais, c'est plus dur que. Qu'est-ce qui me tire là? Ah, c'est le feu qui abîme les unités en fait. Je savais pas que ça abîmait les unités. Aïe 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 aïe. Tiens. Ah, mes artilleries elles sont pétées par la t'attends que je... Oh non, il s'est construit. Ouais si. Ils l'ont pété. T'inquiète, je vais leur amener des chars là-bas. Oh, attends, non, faut que tu me cover. Regarde, cover, je t'aide à construire. Je t'aide à construire ta tourelle. Ouais. Donne-moi un cover. Des 2 minutes. Hop, petit, j'ai ma mère qui m'appelle. Tu veux mettre une pause? Non, t'inquiète, elle m'a prévenu d'un truc. J'ai muté mon micro pour répondre, c'est tout. Donc c'est bon, t'as fait ta tourelle, maintenant je vais les aider à faire mes chars. Putain, j'ai pas le temps de la construire. Attends, je vais amener des tanks. Construis pas, aide mon usine à faire des tanks, je vais péter la... Et où? Tu sélectionnes tes ingénieurs et tu fais clic droit sur l'usine. Ah nickel, comme ça va construire plus vite. Moi, c'est en train d'arriver, moi. Parce que là, elle me fait vraiment chier leur... J'en ai déjà 5 de construire. Le tank. Je vais les envoyer direct. Ouais, bien joué. Parce que là il nous faut des unités, comme c'est des unités tech 1, elles sont pas résistantes du tout. Ça va trop vite là au final. Ah oh, j'avoue. C'est un truc de gueule. Dès que j'aurai allé une dizaine, j'attaquerai leur tourelle parce qu'elle fait trop mal. J'ai pas quoi faire. Bon, la tourelle est là pour défoncer un peu. Ah ouais, bon allez j'envoie mes chars. Bon, ça arrive moi aussi, ça arrive. Là. Ça arrive sur moi. C'est parti. Regarde, ça arrive. Bon, c'est des chars lourds aussi. Hein. Les chars lourds, c'est en tech 2. C'est bon, je l'ai pété. Bon, non, il est pas pété. Il y en a une autre. Je sais pas c'est quoi, je vois pas parce que c'est dans le brouillard de guerre, donc je peux pas voir. C'est bon, elle est morte. Nickel, vas-y, on se positionne ici, comme ça ils se ramèneront plus. Vas-y, tu peux construire avec tes ingénieurs.
prends la centrale à hydrocarbures, je te la laisse parce que t'as moins l'habitude de la clair source. Attends, je sais pas quoi faire. Fais la centrale à hydrocarbures qui est derrière et construis des usines dans le milieu. C'est où les centrales à hydrocarbures déjà? C'est là derrière, sur le gros truc jaune derrière toi, derrière tes ingénieurs. Ah, nickel. Après, je vais faire des défenses ici là. Pour pas qu'ils passent. Clac, clac. Clac. C'est bon. Clac. T'inquiète, moi ça arrive. Hop, nickel. C'est bon, là j'ai des temps pour toi. On l'a attaqué si tu veux. Pas maintenant, on en a pas assez. T'es fou. Ma gueule, j'ai 10 tanks. 10 tanks, c'est pas assez. Ah, t'as des tanks lourds, c'est bon. Ouais, j'en ai 20 bateaux là. Mais sauf que si t'attaques avec 20 tanks, tu vas te faire déglinguer. Pourquoi? Trop fort en défense. Ça tire, ça tire. T'inquiète, c'est juste une défense qui est en train de se défendre. Je vais vite passer tech 2 pour faire des générateurs de boucliers. Comment tu passes tech 2? Bah voilà, t'as ton usine. Ton usine. Ah, ils sont pour l'usine, ok. Toi t'es tech 2, toi. Maintenant fais des ingénieurs tech 2. Ouais, j'ai fait. Et les carcasses, c'est ça que c'est qui reste jusqu'à la fin de la partie, ça c'est vraiment épique. Ah non, j'ai pas fait. Moi. Hop. Place les mieux, tes temps ils sont un peu en bazar. Tu veux que j'attaque un peu ou quoi? Si tu veux, mais tu verras bien. Ok. Attaque les défenses d'abord. Les toiles de défense terrestre. Pas les. Oh, c'est celles qui ont une petite croix dans leur logo. Regarde, tu vois, tu te fais des glins. Non, pas elles, c'est les. Ah, ok. Terrestres, les celles d'à côté là, pour un canon. J'arrive, ouais. Il en reste une. Il me reste chichard. Il vise mal aussi. Non, non, il vise mal. Vas-y, c'est bon, nickel. C'est bon, tu les as maintenant adaptés aux unités. Ouais, bien joué. Et le robot. Ouais, mais le robot, il attaque pas, attaque au one shot. Il est trop puissant pour jamais l'avoir. C'est fou quoi. Il va déjà avoir un quart de sa vie niqué. Non, j'en ai 6. Ouais, 6, ouais. Il arrive. C'est pas assez, pas assez. Je nique déjà un peu quand même. Gars, je nique. C'est drôle que tu l'aies. Jamais, regarde, je suis en train de le battre là. Ah, j'avoue, ouais, tu fais mal. Et il est con lui aussi. Il va se faire défoncer. C'est lié pourtant. Le coup. Ah, c'est mal barré pour lui. Hein. Ouais, c'est bon. Normalement, s'il se replie pas, on va l'avoir. Restez là, les gars. Restez là, restez là, restez là. Vous allez où? Bon, bah, vas-y si tu veux. T'inquiète ça. M'en fous, j'ai reconçu. Voilà, c'est bon, je peux passer tech 2, hop. Oh, désolé, je fais plus de du combat là. Ouais, faut que tu développes ta base aussi. Ah, bah, besoin, moi je vais pas trop développer, tu sais. Ouais, mais quand on se fera attaquer. T'inquiète pas, elle est déjà développée. Hein. Bomber, c'est quoi ça? C'est mal ça, non? Bomber, c'est. Attends, c'est quoi ça? C'est tech 1 ou tech 2? Tech 2. Mais merde, je suis. Ah là, j'ai augmenté. Ça a augmenté tous. Ouais, t'es 3 mon usine. Mon usine, elle a été 3, elle a augmenté très 3. Bon. Je
peux pas revenir en arrière. Ouais, je peux passer avec deux, je vais faire des chars lourds après. Ouais, si tu veux du support, moi j'aimerais bien du support un peu. Bah je vais te cover à gauche là, parce qu'ils arrivent avec des PG là. Tu te cover, c'est bon. Bah ils tirent automatiquement, je sais pas, moi je vais te dire. Bah si tu leur dis. Non, j'ai dit d'attaquer ailleurs. Nickel. Voilà, tu vas te faire péter par les tourelles des défenses là. Oh putain. Attaque les tourelles de défense. T'inquiète. Ah c'est des Des anti-aériens, ils me niquent. J'en ai niqué, faudrait que tu viennes. Il m'en reste plus qu'un. Putain, il en a mis 36 000. Il en a mis plein, je l'avais dit. Hein. Oh là, il faut se faire péter mes tanks là. Un par un là. Ils ont rien pu faire là, faut... Ouais, des bombardiers il faudrait là. C'est ce que j'allais faire, t'inquiète pas. Oh, les lance-missiles, ça fait trop mal. Robot de siège, c'est abusé ça, non? Ah bah oui, c'est les meilleurs robots de la FTU. Moi je fais des robots. Vas-y. Je vais améliorer mon usine aérienne Tech 2. Je Tech 2 moi. Ouais mais moi d'abord je développe et je sécurise et puis après je passe Tech 2. Par contre l'énergie je crois que faut que je recrée. Hein. Pardon. Ah j'ai encore deux petits chers qui étaient là. Wow le commandeur il se ramène qui fait. Taré. Il est fou ou quoi? Il s'est ramené là. Et le commandant faut jamais le sortir de sa base. Voilà nickel, qu'est-ce que je voulais faire Oh oui maintenant des... Je sais pas quoi faire moi je suis perdu. Je fais des ingénieurs, fais des ingénieurs Tech 2. Putain t'as trop tard. Tu fais des assauts de combat c'est les... Ouais c'est bien ça. T'inquiète pas je gère. Ah non c'est plus non j'ai fait des trucs de transport. Non c'est des sauts de combat. Ah mais tu peux transporter dedans aussi. Ah je sais ils peuvent transporter des unités. Ils peuvent transporter une unité. Ça c'est bien ça quand tu veux faire des assauts, c'est super utile. Tu veux que j'envoie les deux directement maintenant ou j'attends encore un peu? J'attends Les deux ils vont se faire déglinguer hein, si tu veux. Okay. Il en faut beaucoup hein, pour attaquer. Crée des tanks, moi je vais faire des avions hein. Ça, tu quoi, dès que j'ai niqué les tours pour le sol, tu iras attaquer. Ouais. Tu veux que je fasse des avions, c'est ça? Non, toi tu fais des chars. Ok, d'accord. Comme ça, moi je vais faire du truc. Au sol. Là, vous voyez, là j'ai pas des ingénieurs Tech 2, des ingénieurs plus avancés. Là, je peux avoir, j'ai plus de possibilités de d'outils, comme par exemple faire un. Tech 3 même. Moi j'ai jamais fait un. Générateur de bouclier là, Tech 2. Les générateurs de boucliers. On va le mettre en 2. Ça fait combien de minutes? 32. Oh, y'a, j'ai pas assez d'énergie. Oui, c'est un générateur d'énergie Tech 2, sinon j'en aurais plus. Ah, tu peux créer une Tech 2 maintenant? Ouais, maintenant, bah je l'ai toi. Tu peux créer du Tech 3 maintenant, t'as une usine Tech 3. Ah, mais je crois qu'on a pas des fois autant, c'est compliqué, je galère. Je savais pas. Ah ouais, le génère, comment il a abusé, il est énorme. Le quoi? Il est plus gros que les autres, bah ah il est bah plus oui, gros que les petits. C'est sûr qu'il va être beaucoup plus gros. Il va faire plus vite aussi, non? Voilà, par contre, vite, crée-toi, je suis dans la merde, j'ai plus d'énergie. Ah, j'ai plus d'énergie non plus. Net, plus d'énergie. J'ai plus d'énergie non plus.
Attends, moi je vais construire là un générateur qui va me donner plus 500 en énergie là. T'inquiète, moi aussi. C'est quoi les trucs d'énergie, c'est où? Générateur de tech 2 et... Il faut le... Génération d'énergie, c'est ça? Générateur d'énergie? Ouais, tech 2. Oh putain, c'est abusé. C'est super gros par contre. Et le tech 3, ils sont encore plus gros. Ah bah non, toi crée un tech 3 là. Bah ouais, moi je suis tranquille. Oh, comment ça monte trop vite? De quoi? Attends, tu l'as pas encore créé. Mais non, mais l'énergie elle monte trop vite d'un coup. Oh, c'est trop long par contre. Pas mal, pas mal. Vous voyez pas là mal. Mes chars Tech 2, c'est des chars lourds avancés et avec un bouclier autour d'eux. Mais le bouclier, il est stylé, stylé. Tu vois, toi, tes robots de siège, ils ont aussi des boucliers. Ouais. Et ils vont trop vite. Oh putain. Ah bah, c'est des robots de siège, attends, ils sont super cheatés. Ils sont super forts. Là, vous voyez, j'ai créé un bouclier. Ça fait stylé, j'aime bien. C'est trop long par contre de créer le générateur. Ouais, c'est vrai. Pour l'énergie, t'en veux ou pas? Non, c'est bon, t'inquiète pas. Ouais, ça c'est des missiles guidés, je peux créer des missiles guidés, c'est mortel. Je vais voir si c'est bien parce que je me souviens plus ce que ça fait. Et deux petits chars encore. Mettre là. Oh les gars, c'est la première fois qu'on joue aussi lentement que ça, aussi long que ça va. C'est mortel le missile guidé, je kiffe. Hop, encore un véhicule. Regarde mon missile guidé là dans les airs. Il va, il va attaquer. LOL. C'est un missile Yo, oh, regarde, ça fait trop mal. Il a tout cassé. Pourquoi t'as pas tiré sur les trucs pour les chars là? Il aurait tiré dessus. Mais non, c'est des trucs anti-chars, c'est pas tout faire rien. Mon gars, tu fais un gros massacre avec ça. Ouais, tu sais, tu t'amènes tes chars, tu détruis les trucs anti-aériens et là t'amènes tous les missiles guidés. C'est clair. Je vais la passer tech 3, mon usine aérienne. Porte quantique, c'est quoi ça? C'est pour amener des autres UBC. Centrale d'onicateur. Faut que je pense à améliorer mes extracteurs de masse, j'ai pas pensé. Tu verrais moi les ingénieurs tech 3 comment ils sont énormes. Il est où mon commandeur? Va faire que deux parce que c'est super long à créer, c'est super long à créer. Ouais. Bon, désolé, pas d'action là, mais là il va y avoir beaucoup d'action dans quelques minutes. Ça va piquer même. Je suis bientôt tech 3 là. T'as fait des chars toi? J'en ai fait plein des tech 2 là. Regarde ça, il y en a plein. Okay, bah, c'est... Moi je suis pas bête au prix moi. Il me reste un et puis j'irai 10 avions, ça te va 10 avions? Ouais, c'est bon. Là, il y a le gros vu qu'on prend un gros. Regardez Lucas ce qu'il fait. Je vois pas. De quoi? Ils sont où? De quoi je suis où? Ah, je sais pas. Non, mais je vois pas tes chars tirer. Et tu dézooms à fond et tu les verras. Ils tirent pas mes chars. Ah, non, mais tes missiles. Ah ouais? Je les voyais pas. Désolé si je me gratte. Bah. Oh, énorme. L'hélico banane. Il en dirait un hélicoptère banane. Il est où? Avion espion. Je vais en faire un. C'est bon, j'ai créé mon générateur. Plus 2200. Ah ouais, ça donne plein de trucs. Oh là là. Il n'y a pas des trucs des extracteurs de masse plus. Il est trop rapide, regarde le nouveau. Les extracteurs de masse, c'est quoi? C'est encore plus gros que les autres alors? De quoi? Parce que j'ai de nouveaux extracteurs de masse maintenant. Comment ça? Fabricateur de masse. Et... Non, extracteur de masse, mais des plus gros, des tech 3. Ah bon? Ouais, je peux les mettre. Ah ouais? Ah non, tu peux les mettre que sur des endroits où tu peux faire un. Site d'artillerie lourde. Oh là là. Donc là, je suis en train de passer mes. Là, je peux pas faire grand chose parce que je suis en train de passer mes les extracteurs de masse. Ça fait déjà 37 minutes, Clément. Ah, tant pis, hein. Là, faut attaquer. Hein. Et faire une petite pause après. Ce qu'on fait, c'est qu'on attaque dans le prochain épisode. Non, attends, on va attaquer là maintenant. Ça on reste une heure, on coupera en deux au pire. On coupera en deux.
On fait une heure, on coupe en deux. Bon, ça me fait juste couper en deux. Non? Non, non, on va se quitter pour le premier épisode là de la petite partie avec Clément sur Supreme Command Ok, ça marche. One. On met sur pause. Salut tout le monde. Ouais, je me surpose. Salut tout le monde, c'était Rockman03 en compagnie de Clément. Et au prochain épisode, on va faire une petite attaque. Salut! 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 Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre petite bataille sur Supreme Commander. Donc, on a retourné direct à la suite de l'épisode 1 et on a eu un petit fait, c'est qu'on a joué 5 minutes là et le commandeur blanc s'est approché de mes défenses là sans que je le voie et il s'est fait déglinguer par les défenses. Et donc, du coup, il est mort. Et donc, voilà, on va attaquer les violets là. Hors caméra, on a créé des unités, vous voyez que j'ai des artilleries, des espèces de. Ou des avions. D'araignées. Là, Clément, il a des robots d'assaut. Et là, derrière, missile guidé. Alors. Et une artillerie d'avion aussi. Allez, on attaque, c'est bon. Go. Allez, c'est parti. Je sais pas de quel t'avances. Ok, c'est parti. On attaque quoi en premier aussi? Donc mes avions, je les garde en arrière ou pas? Ouais, vas-y, garde en arrière. Je me dis quand attaquer, mais. Oui, ça va être épique là. Ouais. Ou épique fail. Ah, oh, t'as déjà détruit un truc toi. Oh. Truc pas. Est-ce que tu veux que j'envoie mes avions? Hein? Ouais. Oh la vache. J'envoie mes avions. Vas-y, envoie tes avions pour les défenses. Ouais, t'inquiète pas, c'est déjà fait. Moi mes chars ils sont fait péter. Hein. Bon. Déjà? Ah, moi, regarde, mes avions ils arrivent. Ouais! Ils sont mortels, vas-y, j'envoie mes. Oh bah merde, ils sont morts, mais. Et dans ce cas-ci, je leur prenne. Ça pète de partout les gars. Ouais, on l'a vu. Oh là 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 là. L'explosion malade. Oh. Donc voilà, quand on tue un commandant, ça fait une explosion énorme. Donc là, c'est une IA assez facile en fait. Ouais. Clément, en fait, on va mettre trop ça facile. À la suite de l'épisode 1. Ouais. Donc voilà. Donc en fait ça sera pas l'épisode 2, ce qu'on va dire que ça, on pensait que ça allait mettre plus de temps que ça, on va dire que c'est l'épisode le score. Ah, c'est moi le premier. C'est le premier. Attends, je regarde le score. Ah ouais, je suis deuxième. C'est pas beaucoup hein. Non, regarde, j'ai détruit plus d'ennemis, j'ai fait plus de construction, j'ai eu plus de pertes. Ouais, on essaiera avec une IA plus difficile parce que là c'était vraiment trop on facile. Avec une IA beaucoup plus puissante dans une Je commence à comprendre donc ouais, dans une prochaine vidéo, moi je ferai la campagne solo filmée et tout. Bon. Ouais. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette petite partie sur Supreme Commander, si vous voulez plus de Supreme Commander, si vous êtes pour mon petit let's play dessus, dites-le moi dans les commentaires, mettez j'aime, abonnez-vous, et salut à tous, c'était Rockman03 en compagnie de Clément. Salut, salut.